Dis-moi pourquoi tu pleures. Je veux le savoir absolument. T'as-t-on fait du mal? Beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a battu? Bien pis que tout cela, ma foi. Bien pis que tout cela? Oui, quand un pauvre homme perd de l'or, il faut qu'il meure. Et je mourrai aussi, je n'y manquerai pas. Mais qui te l'avait donné, cet or? C'est monsieur le chevalier qui m'avait fait présent de cet échantillon-là. De quel échantillon-là? Eh bien, je vous l'ai dit. Je saurais débrouiller ce qu'il veut dire. Il y a cependant quelque chose là-dedans qui peut me regarder. Hé, réponds-moi. Avais-tu rendu au chevalier quelques services qui l'engagea à te récompenser? Non, mais j'étais jaloux de ce qu'il aimait Trivelin. Et qu'il avait charmé son cœur, et qu'il avait mis l'or dans sa bourse. Et moi aussi, je voulais avoir le cœur charmé et la bourse pleine. Quel rapport y a-t-il entre le cœur de Trivelin et le chevalier? Le chevalier a-t-il si grand charme? Tu parles de lui comme d'une femme. Ah, tant il y a qu'il est ravissant et qu'il fera aussi rave de votre cœur quand vous le connaîtrez, ce charmant petit semblant d'homme. Ce petit semblant d'homme, que veut-il dire? Ah, monsieur, on ne voit point d'homme lui. Il n'y en a point dans le monde et ses folies que d'en chercher. Mais sa mascarade empêche de voir cela. Sa mascarade? Ce qu'il me dit me fait naître en pensée que tu mes réflexions fortives. Le chevalier est de certain trait, certain minois. Va-t'en, je tâcherai d'avoir à faire ton argent. Eh bien, mon ami, la comtesse descendra bientôt et veut se promener avec moi. Mais je viens t'avertir d'aller bouder de notre côté comme il appartient à un jaloux. Je voudrais que toutes tes espérances fussent remplies. Et j'ai songé à une chose. Le dédit que tu as d'elle, est-il bon? Je n'ai point dédit sur moi, mais parlons d'autre chose. Qu'y a-t-il de nouveau? Songes-tu encore à me faire épouser quelque autre femme que la comtesse? Je vous demande pardon si je vous suis important, monsieur le chevalier, mais cela rend de Trivelin ne veut point me rendre l'argent que vous lui avez donné pour moi. Et j'ai pourtant été bien discret. Vous m'avez ordonné de ne pas dire que vous étiez fille. Demandez à monsieur Lélio si je lui ai dit un mot. Il n'en sait rien et je ne lui apprendrai jamais. Peste soi du vacarme! Je n'y saurais plus tenir. Comment vacarme? Va-t'en, laisse-nous et ne dis-moi à personne. Ayez soin de mon bien. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à répondre? Rien. Il ne monte pas d'un mot. Vous voilà bien déconcertée, mamie. Moi déconcertée? Pas un petit brin, grâce au ciel. Je suis une femme et je soutiendrai mon caractère. Venons au fait. J'ai eu l'imprudence de vous ouvrir mon cœur. Qu'importe. Je n'ai rien vu dedans qui me fasse envie. Et qu'êtes-vous venu faire ici? Tirez votre portrait, afin de le porter à certaines dames qui l'attendent pour savoir ce qu'elle fera de l'original. J'y suis perdu. Vous êtes donc la femme de chambre de la demoiselle en question? Et votre très humble servante. Dis-moi ce qui te plaira, je te l'accorde. Oh, tout à moi, je veux 2000 francs. Moyennant quoi, je vous laisse ma maîtresse. J'achève avec la comtesse. Je te donne les 2000 francs avec mon amitié. Oui, mais quand me les donnerez-vous? Je te ferai mon billet tantôt. Oui, tantôt. Mettez-moi le dédit en main. Je vous le rendrai tantôt pour votre billet. Tiens, le voilà. Ah, et voici la comtesse. Quand j'aurai été quelque temps avec elle, revenez en colère, la pressée de décider hautement entre vous et moi. Ah, j'allais vous trouver, comtesse. Vous m'avez inquiété, chevalier. J'ai voulu un Lélio vous parler. C'est un homme emporté, n'ayez point d'affaire avec lui, je vous prie. Oh, je vous disais de le renvoyer aujourd'hui, l'amour vous y condamne. Dire à un homme qui s'en aille. Me refuser son congé à moi qui le demande, comme s'il ne m'était pas dû. Je ne saurais, mon chevalier, j'ai quelques raisons pour agir plus honnêtement avec lui. Des raisons, madame, des raisons. Et qu'est-ce que c'est que cela?
ne vous alarmez point, c'est que je lui ai prêté de l'argent. Et pour m'assurer de cet argent-là, j'ai consenti que nous fissions, lui et moi, un dédit de la somme. Un dédit, madame, qui me va coûter des chagrins et qui me fait dire des folies. Pouvez-vous vous plaindre de moi? Ne vous aimais-je pas assez? Où est l'homme plus chéri que vous l'êtes? Aimez-moi toujours et je suis contente. Je vous le promets, mais que Lélio s'en aille. J'aurais souhaité qu'il prisse en partie de lui-même à cause du dédit. Ce serait 10 000 francs que je vous sauverais, car enfin c'est votre bien que je ménage. Périsse tous les biens du monde et qu'il parte. Rompez avec lui le premier. Voilà mon bien. Je me rends. Je renverrai Lélio. Je vous aime, cela veut tout dire. Oh, m'aimer, cela n'est pas assez, comtesse. Distinguez-moi un peu de Lélio. À qui peut-être vous l'avez dit aussi? Que voulez-vous donc que je vous dise? Je ne veux qu'un mot. Voulez-vous que je vous aide? Dites comme moi. Chevalier, je vous adore. Chevalier, je vous adore. Il me fait faire tout ce qu'il veut. Mon sexe n'est pas ma faible. Ah, que j'ai de plaisir, mon cher amour. Je suis prête à vous jurer une fidélité éternelle. Et je perds les 10 000 francs de bon cœur. Non, vous ne les perdez point si vous faites ce que je vais vous dire. Lélio viendra certainement vous presser d'opter entre lui et moi. Ne manquez pas de lui dire que vous consentez à l'épouser. Laissez-moi vous conduire et sauvons le dédit. Le voici. Je n'ai point de temps de m'expliquer davantage. Permettez, madame, que je rentre pour un moment votre entretien avec monsieur. Remettez-vous, Lélio, et dites-moi tranquillement ce que vous voulez. Vous priez de m'apprendre qui de nous deux il vous plaît de conserver, de monsieur ou de moi. Renoncez, madame. Mon corps ne peut plus souffrir d'incertitude. Monsieur le chevalier, nous avons jusqu'ici plaisanté ensemble. Il est temps que cela se finisse. Vous m'avez parlé de votre amour. Je serais fâchée qu'il fût sérieux. Je dois ma main à Lélio. Et je suis prête à recevoir la sienne. Non, madame. Vos réflexions sont à mon avantage. Et si j'osais... 50, non, c'est plaisante. Voilà une lettre qu'on vient d'apporter de la poste, madame. Donnez. Voulez-vous bien que je me retire pour le lire? C'est de mon frère. Quel diantre signifie cela? Elle me prend au mot. Qu'en dis-tu de ce qui se passe là? Ce que j'en dis? Rien. Mais voilà, en belle posture avec Sana, qu'elle m'offre et que je lui demande avec fracas et dont je ne me soucie point. Ne me trompez-vous point? Que dites-vous là? Je vous sers loyalement ou je ne suis pas si prête? Mais voilà, fort embarrassée. Si elle continue à vous offrir sa main, tout le remède que j'y trouve, c'est de lui dire que vous l'épouserez, croit que vous ne l'aimez plus. Madame, je ne vous aime plus. Cependant, je veux vous épouser. Ne le voulez-vous pas? Payez le dédit. Donnez-moi votre main ou de l'argent. Voilà tout. Courage. Encore une impertinence, et puis c'est tout. Madame, oserais-je vous parler franchement? Je ne trouve plus mon cœur dans cette situation ordinaire. Comment donc? Expliquez-vous, ne m'aimez-vous plus? Je ne dis pas cela, tout à fait, mais mes inquiétudes ont peur rebuté mon cœur. Et qu'est devenu votre désespoir? N'était-ce qu'une passion de théâtre? Ah, ma foi, c'est que je croyais que je ne risquerais rien et que vous me refuseriez. Vous êtes un excellent comédien. Et le dédit, monsieur, que ferons-nous? Nous le tiendrons, madame. J'aurai l'honneur de vous épouser. Quoi donc? Vous m'épouserez et vous ne m'aimez plus? Allez, je vous méprise, je ne veux point de vous. Et le dédit, madame? Vous voulez bien l'acquitter? Qu'entends-je, Lélio? Où est la probité? S'il ne paraît guère vous en dire des nouvelles. Je ne crois pas qu'elle soit de sa connaissance.
Mais il n'est pas juste qu'un misérable dédit vous brille ensemble. Tenez, ne vous gênez plus, ni l'un, ni l'autre. Le voilà rompu. Forbes. Oh, consolez-vous, Lélio. Il vous reste une demoiselle de 12 000 francs de rente. On vous a écrit qu'elle était belle. On vous a trompé. Car la voilà. Mon visage est l'original du sien. Oh, juste ciel! Oh, ma métamorphose n'est pas du goût de vos tendres sentiments, ma chère comtesse. Mais consolez-vous. Vous perdez des aimables espérances. Je ne vous les avais données que pour votre bien. Voici les musiciens qui viennent vous donner la fête qu'ils ont promise. Voyez-la! Puisque vous êtes ici, vous partirez après. Ce sera toujours autant de prix. Merci.